très bonne mentalité. Franchement, je merci de nous avoir aussi bien accueillis. Et après, voilà, on les a bien respectés, on n'a pas fait n'importe quoi. Donc voilà, c'était nous, on a fait le travail et je leur souhaite bon courage pour la suite de leur saison. Il faut les saluer parce qu'ils ont rien lâché, c'est pas évident de jouer contre une D1. Après, là, nous, on a fait le boulot, on a été sérieux et on est content de notre prestation ce soir. C'est un bonheur en tant qu'amateur de vivre des moments comme ça et d'être réunis comme ça. Et on remercie Saint-Étienne parce que franchement, des super comme ça, des joueurs super comme ça. Et merci encore pour tout. On s'est bien amusé. Franchement, on a pris du plaisir. C'est l'essentiel. Merci au public. C'est la première fois que je vis ça et c'est magnifique. Franchement, pour mes joueurs, pour le staff, pour moi-même, on a gagné en expérience. Là, on a gagné un an, deux ans et c'est inestimable. Et voilà, on s'est battu avec nos armes. 6-0, c'est l'écart qu'il y a entre eux et nous. Ils sont sur une autre planète, en fait. Je ne pensais pas que c'était aussi costaud. Ça nous a apporté beaucoup, même dans la tête. Même à 6-0, on était toujours en train de s'encourager. Donc, une équipe très forte et dans la tête. Et c'est ce qu'on retient du match, quoi, surtout. La vraie chose, c'est quoi? C'était de jouer contre des professionnels, voir le niveau professionnel, comment il était. Et je le remercie par rapport à ça. Après, de Cabella, Kazri, Mvila, ça va super vite quand même. Ça va super. Il fallait qu'on sache où est-ce qu'on est. Il fallait qu'eux aussi montrent le niveau de la Ligue 1, je pense. Après avoir sorti Épinal, ils ne nous ont pas pris à la légère et pour ça, on le remercie, quoi.